C'était à la suite d'une visite à la basilique Saint-Julien de Brioude. J'ai été fascinée par l'œuvre du père Kim. Et bien sûr, ça fait rêver. Et je me suis dit, dans notre chapelle, une petite chapelle du siècle dernier, qui n'a aucune valeur architecturale, mais... Bien sûr que les vitraux du Père Kim, ce serait bien pour donner un peu plus de lumière dans notre chapelle. Bien sûr, un artiste de renom mondial, moi, je n'oserais pas l'aborder. Et puis, un père dominicain que j'ai accompagné à Brioude m'a dit « Si, si, il faut essayer, il est très simple, il est très gentil, essayez de le contacter ». Alors, j'ai écrit 2 lignes de mail pour exprimer notre rêve, notre désir. Le soi-même, il nous a répondu par téléphone qu'il viendra. Bon, alors ce qu'il a fait, le 10 décembre 2010, de Lyon, après la fête de l'Immaculée Conception à Lyon, de la fête de la Lumière, il est venu nous rendre visite juste une soirée. Et puis, en visitant la chapelle en 5 minutes, il a dit « Je pourrais faire quelque chose pour vous. » Alors là, une joie. Et puis il a dit « Je vais dédier les 3 vitraux vers l'autel à la Sainte Trinité. » Alors, ma joie était très grande parce que c'est vrai que nous vénérons la Sainte Trinité dans notre cœur depuis le baptême. Mais je lui ai posé la question pour le prix et tout. Alors, en voyant ça, je me suis dit peut-être que les 3 seulement. Et puis, il est rentré, il nous a envoyé le maître verrier de Chartres, M. Loire, l'atelier Loire, où 3 générations ont travaillé dedans. Ils sont venus le 28 décembre, ils ont mesuré, et je voulais que 3 seulement, puis... Il m'a dit, le père Kim m'a dit de mesurer 15. Et puis finalement, voilà, le père nous a offert cette belle œuvre, 9 dans la chapelle et puis 6 à la crypte.
Oui, moi je suis, comme vous me voyez, le père dominicain de Paris, origine coréenne. Et je suis artiste depuis 50 ans, si vous voulez, oui. Oui. Seulement. J'ai vu que votre père était calligraphe. C'est cela, oui. Et mon père était très bon calligraphe. Mais il n'a pas affiché comme calligraphe, mais il était vraiment très, très fort. Oui. Et comment on apprend de manipuler les baguettes, je l'ai suivi à côté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre et le goût artistique? Moi, je dirais le bon Dieu que je n'avais pas encore reconnu. Et j'avais aimé la nature et les couleurs. Mais la situation coréenne était tellement difficile dans ma jeunesse. Et malheureusement, j'étais loin de là. Comme mon père, que j'ai baptisé d'ailleurs plus tard, j'étais moraliste. Confucianisme, c'est la morale, ce n'est pas une religion. Je peux être un bouddhiste, parce que j'aime beaucoup Bouddha, mais il n'est pas le Dieu. Parce que c'est un maître. À l'époque où vous êtes arrivé en Europe, oui, où justement il y a beaucoup d'Occidentaux qui se tournaient vers les religions orientales. Oui, même encore, je vois. Même encore aujourd'hui, ouais. Oui. Oui, mais bien dommage. Quand on oublie la fontaine, la racine, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, une plante dans le pot avec l'eau, ça peut rester pendant quelque temps, mais ça ne porte pas de fruits. Mais regardez cette communauté, c'est nourri par la grâce de racines, la sève. Mon rêve, c'est de devenir curé de campagne. Mais finalement, le curé de campagne, quand on est prêtre, tout le monde peut assumer. Mais pour l'art, c'est réservé à certains, comme vous le savez très bien. Pour ça maintenant, je ne regrette pas. Mais même au début, j'avais toujours une mauvaise conscience en disant, est-ce que je ne suis pas trop égoïste? Mais heureusement, j'avais très bons supérieurs qui m'ont poussé vers l'art. Maintenant, si j'abandonne et mon pinceau, ils seront déçus. Et pour me peindre, et on me demande si c'est la prière, mais je ne voudrais pas galvauder le mot prière, mais je dirais plutôt acte de l'action de grâce, qui amène vers la prière aussi. Comme un poisson qui vit dans l'eau, il faut toujours dans la spiritualité. Donc, et comme Matisse dit, je ne cherche pas, mais je trouve. C'est aussi la Providence. Quand j'ai vu pour la première fois la cathédrale de Chartres, cela m'a fasciné d'une façon inouïe. Je n'ai pas osé y penser. Je n'avais jamais pensé que je ferais des vitraux, mais j'avais une chance. C'est la cathédrale d'Évry. Et avec cette cathédrale, j'ai eu de la chance de pouvoir faire mes premiers vitraux. Et puis après, avancer et pour aboutir jusqu'à Ambert. Dans la mesure où c'est possible, j'accepte tout parce que ça aide à prier. À moins que vraiment les bâtiments sont tellement moches et vulgaires, à ce moment-là, ça ne va pas.
Amber, d'abord, ce sont des dominicaines ici. Et quand j'ai vu la communauté entre les religieuses françaises dans l'âge avancé et les jeunes sœurs vietnamiennes, la charité entre elles m'a tellement impressionné. Dès qu'on a parlé, j'étais tout de suite très motivé. Et c'est pourquoi, et c'est miracle, pendant en 3 mois, je pouvais faire 15 vitraux. Je n'avais jamais fait aussi rapidement. Mais, et, vous savez, ce n'est pas la durée de temps qui compte, mais il y a des moments où on peut avancer. Si la mère prieure m'a demandé, faites ici Jean-Baptiste, faites ici Saint-Dominique, etc., j'aurais été paralysé. D'ailleurs, jusqu'ici, quelquefois, si j'avais refusé, parce qu'on m'a imposé. Mais la liberté, il faut bien distinguer, la liberté ne signifie pas faire n'importe quoi, mais elle exige vraiment l'ordre et l'harmonie. Donc, si on est imposé que c'est quelque chose d'artificiel, on ne peut pas aboutir à bien. Oui, par exemple, tout récemment, dans mon pays, une grande église très ambitieuse m'a demandé, non, c'est plutôt quand j'ai appris, je voulais faire quelque chose parce que c'est mon pays. Et ils sont très motivés. Si j'ai fait, j'aurais été très célèbre dans mon pays, mais quand j'ai reçu le plan, j'ai refusé. Parce que si le bâtiment existant déjà, je peux faire quelque chose, mais au commencement, le plan est très mal fait, à ce moment-là, je deviens complice et je participerai au cercle vicieux. Pour ça, ma conscience ne m'a pas permis. Si je cherche ma propre gloire, je l'aurais accepté. Mais pour la gloire de Dieu, non. Et pour ça, je passe mon temps ici très paisiblement. Cela m'a troublé. Oui. Pour ça, toujours, il faut essayer de vivre sous le regard de bon Dieu, non pas les autres. Le vitrail est l'œil d'un bâtiment. Donc, et à la rigueur, un bâtiment peut bien résister sans le vitrail. Le vitrail, ce n'est qu'une partie. L'œil, tout de même. Et en ce qui concerne notre chapelle, qui n'a pas de valeur architecturale, il y a une beauté autre. Elle est embellie par votre œuvre. Je l'espère, franchement. Et le bâtiment n'est pas extraordinaire, mais modeste, et il y a l'ambiance de prière. D'ailleurs, c'est Bruno Loire qui m'avait dit qu'il ne fallait rien enlever. Voilà, d'accord. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Et on voit bien à travers tout ce que vous avez fait, c'est une sorte de prédication, vous voyez, mais silencieuse. Et vous nous laissez aussi la liberté d'être imprégné, d'interpréter et de vivre intérieurement ce que nous voyons, l'invisible à travers la beauté de ces vitraux. Oui. Vous avez mieux parlé que je ne pouvais exprimer. Non, non, ça, la réaction est très importante. Justement, ce que je désire, non pas imposer, mais ce n'est qu'une invitation. Voilà. Et j'ai bien aimé la parole de Saint Ephrem qui disait que la parole, elle est colorée de multiples beautés. Et vous le...
vous l'exprimez si bien, vous voyez, par cette beauté. C'est un reflet de la beauté de la création divine, finalement. Et le Saint Colomban, Saint Colomban, au 6e siècle, il a dit au peintre, tu ne peindras pas le visage de Christ parce que tu risques de peindre comme un criminel. Tout à fait. Peins-le dans ton cœur. Ça veut dire, moi, je ne suis nullement et contre l'art figuratif. Ce qui est important, est-ce que le visage de Christ est beau ou non. Oui, tout à fait. Voyez, par exemple, comme le Christ lépreux en sculpture à Bourioude, on a envie de rester devant. Oui. Il y a cette majesté qui transparaît dans la souffrance. Oui. Et je pense aussi que ça traduit aussi la foi de la personne qui a réalisé cette œuvre aussi. Oui, voilà, oui, l'intériorité, n'est-ce pas? Pour ça, ce qui me fait souffrir, j'aime tellement la Sainte Vierge Marie, quand je vois la statue de Sainte Vierge Marie, 19e et 20e siècle, ce n'est pas l'image de Sainte Vierge Marie, mais c'est Miss France sous-alimentée. Tout à fait. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est recommandé de ne pas représenter, les images de Dieu ou autre. Oui, ma mère, là, en tant que peintre, puisque Jésus s'est incarné, on peut exprimer, n'est-ce pas? Mais est-ce que vraiment ces œuvres nous aident? Tout à fait. Et pour moi, je lirai beaucoup plus facilement l'image de la Vierge Marie chez Mère Teresa. J'ai vu une seule fois, quand j'ai vu la manière qu'elle a assisté à la messe, ça m'a saisi profondément. Parce que Dieu se cache. Il nous fait découvrir. Dieu aussi a de multiples visages dans chaque homme. Oui, c'est vrai. Oui. Chaque visage doit le reflet du Créateur du ciel et de la terre. Pourquoi même nos sœurs aiment le visage de Père Albert? Parce qu'ils ont l'œil de pouvoir découvrir. C'est exact. Alors, si un religieux est si beau, combien le visage de Christ serait au-delà de tout. Tout à fait. Je n'ai pas apporté le crayon, mais je dessine tout le temps. Oui, pour moi, figuratif, non figuratif n'a pas de sens. Mais justement, je cache pour que les gens découvrent l'art abstrait. Le mot est très mauvais, je dirais. On ne peut pas définir quelque chose comme cela, n'est-ce pas? Pour moi, c'est beaucoup plus réel, concret pour moi personnellement, puisque ça doit contenir autre chose qu'on voit. C'est le monde invisible, n'est-ce pas? Autrement dit, ce que je souhaite dans mon art, c'est l'élévation avant tout et la libération. Non pas liberté, mais la libération. Parce que notre patrie, c'est le ciel. Le tout doit aspirer vers le paradis. C'est pourquoi je suis vraiment très, très triste. Il y a tant d'Occidentaux qui vont en Inde ou dans mon pays pour aller au temple. En tout cas, c'est mieux que de rien, au contraire. Mais en laissant telle richesse, n'est-ce pas? C'est une sorte d'enfant prodigue pour moi.
C'est aussi la faute de nous-mêmes, non pas la faute de Dieu. Parce qu'ils sont déçus de la civilisation et puis les gens. De ce côté-là, actuellement, l'Église a une très bonne santé. Il y a très peu de clergés qui sont autoritaires comme autrefois. Vous avez dit que c'est dans la vibration des couleurs oui. que doit transparaître ce qui ne peut jamais être représenté. C'est ça. C'est vraiment très beau. Ça nous laisse une liberté oui. de méditer sur cette œuvre, sur la beauté de la lumière, des couleurs. Et je peux dire que c'est un art... Qui nous enferme pas. Vous voyez, ça nous donne une liberté de penser, de méditer, et chacun à sa manière. Oui. Et, Vous voyez ce qui m'a fait plaisir, vous avez vu le reflet contre mur. Oui. Cela nous apprend aussi. Et chaque instant est un cadeau du ciel. Tout à fait. N'est-ce pas? Même quand il pleut, il aura un autre aspect. Tout est don. Oui, mais le reflet qui m'a vraiment beaucoup oui. Plu, comme à Brioude. C'est vrai. Alors, à Brioude, devant les vitraux, il y a des orgues. Le reflet. Et colore les tuyaux, n'est-ce pas? Alors les gens ont été tellement impressionnés, ils m'ont demandé si j'avais prévu cela. Alors j'ai dit, et même Leonardo da Vinci, il aurait été incapable de calculer cela. C'est là, si quand on a reçu la grâce, comme le soleil qui reçoit le vitrail, ça change tout. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, et quand je fais l'art comme cela, soi-disant abstrait, des gens pensent réservés aux intellectuels, des savants, etc., mais c'est eux qui sont insensibles, souvent. Et par exemple, à Brioude, au début, il y avait beaucoup d'opposition, mais quand je viens, ce sont des marchands de fromage, de légumes qui me saluent. Ça me plaît beaucoup plus que oui. La difficulté, ce sont des gens qui se considèrent grands. Vous savez, les bons paysans français, il n'y a pas un seul qui sont partis en Orient pour devenir mystique là-bas, voyez-vous. Quand on fait quelque chose, on ne peut pas réaliser le résultat ou bien les fruits qui viendront après. Vous voyez, un beau jour, une surprise de ce que vous n'avez jamais pensé. Oui. C'est le fruit du travail. Oui, ma mère, vous avez très bien exprimé, justement, même les vitraux. Je ne sais pas quel vitraux je ferai, même si on m'a commandé. Tout à fait. Alors si je calcule tout, regardez le Japon. Qui maintenant, et la science est sophistiquée, mais qui pouvait imaginer de cela? Tout à fait. C'est une très grande leçon pour ça. Avant tout, il faut bien savoir que nous ne sommes que des pauvres créatures. Oui, même ici, toutes les religieuses, gentilles, souriantes, mais je crois avant d'entrer dans l'ordre, elles n'étaient pas pareilles. Mais, mais aussi, il faut faire attention, un jour, on ne sait jamais, quand le diable pénètre, on peut devenir pire. Et oui, la fragilité humaine, il faut être vigilant. Oui, il faut accepter aussi ça. Pour cela, la première chose qu'il faut acquérir, c'est la vraie humilité. Oui. Moi, je ne suis qu'un instrument, un petit instrument.
voyez-vous, même Michel-Ange, et avant de commencer à travailler, il a prié de telle façon, je ne suis qu'un instrument, passe ta volonté à travers ma main. Alors, je trouve. Alors Notre-Dame de l'Air, c'est une dévotion pour nous depuis que nous sommes installés ici. Mais elle existait déjà, cette dévotion, avant notre arrivée à Amber. Elle a été perdue et on l'a retrouvée dans notre ruisseau, oui, à côté. Toujours. Après, depuis, les sœurs sont devenues gardiennes de cette dévotion. Et tous les ans, nous venons à la crypte pour une prière mariale le 15 septembre. Nous fêtons Notre-Dame des Douleurs. Mais ce qui est intéressant, puisque vous avez parlé de ruisseau, n'est-ce pas? Oui. Mais les vitraux dans la crypte, ce sont des vitraux en relief. Voilà, oui, c'est une technique. Technique propre, oui. Mais cette déformation est voulue, oui. C'est un peu l'image des ondes. Des ondes, oui. Comme Saint-Paul dit, il faut aller plus loin possible. Alors si je fais là, j'appliquerai cinq continents. C'est vrai, en effet, il y a cinq fenêtres. C'est l'inspiration. Ce n'est pas l'inspiration de visage tel, mais je vois tout de suite quelque chose. Vous avez des idées qui me dépassent, là. Oui, par exemple, à Toulouse, j'ai vu une très belle salle du XIIIe siècle, oui, qu'on m'a confiée. Il y a trois, bien sûr, ça sera hommage à Sainte Trinité. Oui. En face, il y a quatre. La Trinité jette la lumière divine sur les quatre évangélistes. Oui. Il faut faire comme cela, oui. Non, je vais faire comme cela. Pas il faut faire, parce que... Oui, par exemple, si les vitraux sont verticales, mais si c'est horizontal, tu dois concevoir autre chose. Comme la vie, on est conditionné, il faut faire ce qui paraît mieux. Il nous a laissé libre, l'artiste, d'interpréter comme on veut pour entrer dans le mystère de la beauté de la création. Alors pour lui, il exprime la beauté de la création par les couleurs, la lumière. Et puis il m'a dit, je voudrais dédier le vitrail au nord à la Vierge Marie, qui est l'étoile du matin. Eh bien, l'artiste a déployé toutes les couleurs fondamentales, bien sûr, pour dire que la Vierge Marie, c'est une créature nouvelle de la création. Donc, c'est un déploiement de multicolore, quoi. Voilà. Et qui nous conduit à Dieu, Dieu en trois personnes, dont la Sainte Trinité, et le Père avec beaucoup de bleu, parce que c'est la naissance, le bleu, la naissance du monde, donc l'origine. C'est Dieu. Et puis il y a le Fils qui est venu sur terre pour mourir, pour sauver tous les hommes. Donc il y a la couleur du sang, de sa mort. Et puis le Saint-Esprit qui représente avec un déploiement de couleurs. Vous voyez, toutes
toutes les couleurs, pour dire la joie du monde, l'Esprit Saint est présent dans la création. Voilà. Et puis, alors, à l'ouest, il a voulu dédier le vitrail de l'ouest à Saint-Dominique, qui est l'étoile du soir, une étoile qui brille dans les ténèbres de l'hérésie à l'époque. Donc, il représentait que la couleur blanc et noir de l'ordre des Dominicains. Et puis, alors, autour de la Vierge Marie, le rosaire, il voudrait dédier ces quatre vitraux aux quatre évangélistes. Alors, il y a Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Marc et Saint Jean. Mais bien sûr, en voyant ces couleurs, on peut interpréter aussi d'une autre manière, comme le printemps, l'été, le jaune de l'été, le rouge de l'automne, et puis le bleu de l'hiver. Alors, les quatre saisons. On voit bien qu'il est serein, calme, et puis pensif, réfléchi. Oui. Mais c'est sûr que toute création, c'est quelque chose qui sort de soi-même. Voilà. C'est un reflet. C'est un reflet de sa personnalité, de sa contemplation, de toute une vie intérieure, finalement. C'est la vie intérieure qui reflète. Voilà. Mais c'est ça, c'est la vie. Et ce n'est pas inerte. Tout parle. Les couleurs parlent. Et la parole aussi, c'est. Comment vous dire, c'est coloré aussi, la parole. Coloré par multiples façons. Oui. C'est vivant. C'est un lieu vivant. Alors, cette crypte a été construite à la suite de la chapelle que le père Béat nous a fait faire avant sa mort. Et nous avons justement conservé son cœur pour le vénérer. Et alors, la crypte a été est dédiée à Notre-Dame de l'Air. Notre place porte le nom de Notre-Dame de l'Air. C'est une vierge de sept douleurs. Alors, tous les ans, le 15 septembre, nous descendons ici pour une célébration mariale, tous les ans en procession. Bien sûr, nous n'attendons pas à voir des vitraux à la crypte, parce que c'est sûr que nos moyens ne nous permettent pas. Et puis, on y va peut-être une fois par an et quelquefois dans l'année pour prier. Mais on ne pensait pas de faire quelque chose d'important. Mais le Père Kim nous a fait six vitraux. Il est dédié à Notre-Dame de l'Air. Il y a bien sûr, il y a toutes les couleurs aussi, mais les couleurs vers Notre-Dame de l'Air, il y a le violet, c'est une couleur de deuil. Donc les douleurs de la Vierge Marie s'expriment dans cette couleur. Et puis il y a aussi d'un côté le rouge qui signifie la mort de Jésus. Il est mort par amour pour sauver le monde. Voilà. Et puis les autres, ce sont des couleurs fondamentales pour embellir un peu notre crypte, qu'il a trouvée belle. Alors, voilà. Ah oui, là c'est une technique spéciale, justement une technique avec le relief. Donc, vous voyez les verres, le Père nous a expliqué, quand il projette une couleur sur le verre, à chaque couleur, il faut mettre dans un four de 600 à 800 degrés, et après une autre couleur, encore une tournée de four, et ainsi de suite, autant de couleurs, autant de fois de four, et puis après il faut les tremper dans l'eau. C'est une technique, mais là c'est le verre ramolli, et alors il a fait des dessins dessus pour faire des reliefs, et ça rend très joli parce que c'est une nouvelle technique qu'il a fait. C'est bien réussi.
coup de ses coups de maître, comme on dit. Comme on dit, n'est-ce pas? Il faut beaucoup regarder au ciel, vous aurez les ailes. Ah, c'est beau ça. Tout ça. Oui, parce qu'on lit quand il était là. Oui. Il avait des nuages qui ont complété mes vitraux. Oh, d'accord. Oui. Pour ça, il faut pas chercher la masse, mais la qualité. On dit, quand on a le succès, il y a beaucoup de peur, mais quand on est en échec, on devient orphelin. C'est pas facile parce que moi je connais pas beaucoup l'art. Je travaille comme ouvrier.